Femmes, c'est une association reconnue d'intérêt général qui existe depuis une quinzaine d'années, qui s'adresse aux femmes de plus de 45 ans qui sont demandeuses d'emploi. Le principe de l'association, c'est de les accompagner gratuitement avec des experts, soit des RH, soit de l'entrepreneuriat, pour leur permettre d'être autonomes dans leur démarche de création ou de retour à l'emploi salarié. Le sujet qu'on a décidé de soutenir, c'est l'inégalité des femmes dans le monde du travail. Et donc, c'est tout naturellement que cette année, nous soutenons l'association Force Femmes. Le forum des entrepreneuses aujourd'hui, il a vraiment pour objectif de leur faire rencontrer des structures qui participent à la création d'activités, donc que ce soit sur de l'accompagnement, sur du networking, sur de l'hébergement, sur du financement. Démarrer toute seule, c'est pas évident du tout, on a besoin d'être épaulé. Et quand on crée son entreprise, on est tout seul, donc à un moment donné, c'est important d'aller rencontrer du monde, d'aller rencontrer des gens. Et c'est pour ça que je suis là. Ça fait peut-être 20-25 ans qu'elles sont dans le salariat en entreprise, et puis qu'elles arrivent à un moment où elles ont envie d'autre chose, elles ont envie d'être indépendantes, et on sent que c'est quelque chose aussi qui est important pour elles. Je suis accompagnée par Force Femmes depuis le mois de janvier ou février avec différents ateliers. C'est un accompagnement très riche et très intéressant. La cause qu'on défend là, c'est une vraie cause de proximité avec ces femmes qui sont à la recherche d'une reconversion et d'une création d'entreprise et vraiment d'instaurer la marque dans une dynamique très positive. L'engagement de Diadermine auprès de Force Femmes, il est multiple. Donc déjà, c'est le financement de cet événement aujourd'hui. Et puis, ça va aller au-delà de ça, c'est-à-dire que ça va être un engagement aussi de mécénat. Ils vont solliciter leurs collaborateurs pour pouvoir intervenir bénévolement dans le cadre de l'association. Donc c'est un partenariat qui s'annonce assez riche.